Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser un analgésique appelé Pintrox. Ce médicament a deux composants. Le premier est la seringue utilisée pour inhaler des médicaments. Lorsque nous inhalons le médicament, nous inhalons ce côté. L'autre côté sera le côté utilisé pour insérer la solution de médicament. Le haut du cylindre est un cylindre noir solide rempli de charbon de bois. À quoi sert ce cylindre? Lorsque nous inhalons le médicament, nous expirons pour permettre au médicament de passer à travers l'embout buccal en charbon de bois. Le médicament ne pénétrera pas dans l'environnement. Le deuxième ingrédient est une solution liquide conditionnée dans une petite bouteille séparée. La façon d'ouvrir, insérer une petite bouteille de réactif dans l'extrémité de la seringue de médecine verte. Tournez ensuite le flacon de solution à moitié pour le dévisser. Ouvrez le bouchon du flacon et mettez la solution dans la seringue de médicaments. Pendant que le médicament était versé, nous devions retourner la seringue verte pour mélanger le médicament. Tournez le cylindre de charbon de bois sur le dessus, puis insérez votre main dans une corde blanche comme celle-ci. Commencez ensuite à inhaler en tenant l'embout buccal dans votre bouche et en inhalant une dose. Après avoir inhalé le médicament, retenez votre souffle pendant 1 à 10 secondes pour permettre au médicament de pénétrer profondément dans vos voies respiratoires. Ensuite, expirez sans retirer votre bouche de l'embout buccal. Commencez la deuxième inspiration. Vous pouvez prendre une seconde et retenir votre souffle pendant 10 secondes, expirez. Et vous pouvez en prendre un tiers et retenir votre souffle pendant 10 secondes. Expirez. Après avoir inhalé 3 doses, mettez les pilules de côté cette fois car nous voulons que vous preniez la dose la plus faible qui puisse soulager la douleur. Mais après 5 à 10 minutes, si vous avez toujours mal, vous pouvez à nouveau prendre des médicaments. Veuillez noter que lorsque vous inhalez un médicament, vous sentirez un acide de fruits scientifique. Et vous n'avez pas à vous soucier du retour du médicament. Et surtout, après avoir mis la solution de médicament dans un cylindre vert, le médicament ne peut être actif que pendant 1 heure. Après 3 inhalations et 5 à 10 minutes se sont écoulées, si vous ressentez toujours de la douleur, vous pouvez inspirer 3 fois de plus pour la 4e, 5e, 6e fois. Après avoir inhalé 6 doses, vous pouvez être sûr qu'une douleur très intense sera définitivement soulagée. En conclusion, le pharmacien vous recommande d'utiliser ce médicament uniquement lorsque la douleur est intense.